Les événements touristiques et les attraits touristiques ont été pour Drummondville un facteur de développement important. Pensons au mondial, pensons à l'arrivée du village Cloquelantan. Ça a été pour nous une partie de notre ADN qui s'est comme manifestée quand tout ça est arrivé et ça a permis la relance du développement économique. C'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir le congrès ici parce que les événements et les attraits touristiques, c'est très important pour le développement culturel, le développement humain et le développement économique de Drummondville. Nous, notre événement, en fait, c'est un congrès annuel où on regroupe les organisateurs d'événements et les gestionnaires d'attractions touristiques de, toute la province. Et on a donc des conférences, des ateliers. On a également un salon où nos participants ont l'occasion de rencontrer différents exposants, fournisseurs pour toujours amener l'innovation, des nouveautés, des nouvelles tendances. Donc, on est dans un mode d'échange, de participation et de nouveautés. Partager les bons coups, discuter des enjeux, trouver des solutions, voir les meilleures pratiques, aller chercher des conseils d'experts également. Donc, présentement, on a une conférence sur les médias sociaux, une experte du domaine. Donc, c'est une opportunité d'échanger sur des questions d'actualité. Au niveau des participants, effectivement, on a des organisateurs d'événements. J'ai des gens du Festival de jazz de Montréal. Il y a des gens du Grand Prix de Formule 1, du Zoo de Granby. Donc, effectivement, des grandes entreprises, je dirais des fleurons québécois de l'industrie touristique sont présents aujourd'hui. Ils viennent partager leur savoir, leur connaissance déjà du marché. Exactement. Exactement.